plaît, sur une idée originale de Sophie, avec un scénario d'Alain et des costumes de Chantal, le bureau et le CA, en plein délire, sont heureux de vous présenter une mini-pièce de théâtre appelée « L'étable hôtel de Bethléem ». Toute ressemblance avec des faits historiques serait purement involontaire. Monsieur, je suis l'ange Gabriel. Approchez, approchez, brebis égarées. Nous sommes en l'an zéro, le jour de lui-même, et le satellite du GPS TomTom brille dans le ciel de Bethléem. Le GPS TomTom annonce de gros embouteillages sur le périphérique de Bethléem. Les cousins Melchior, Balthazar et Gaspard doivent retrouver Marie et Joseph à l'étable hôtel. Mais que va-t-il se passer ce soir dans ce modeste établissement de banlieue? Ah, justement, qui arrive sur le périphérique? Je suis Melchior. Je vois les familles, les débits et j'arrive à bas. La radieuse, il y a d'autres problèmes dont il serait inutile de compter. Alors, où est mon cousin? Bonjour, Balthazar. Oui, le périphérique de Bethléem s'encore encore avec l'arrivée de... Balthazar, c'est mon nom. Mais tu m'attends pas, il y a plein d'embouteillages. Viens vite, parce que on est attendu quand même. Hein. Ah bah, okay. Alors, allez, va. Pourquoi tu l'as l'air? GPS, il est à droite. Ben ouais, GPS, il est à droite. Hein. Ah bah non. Attendez, attendez, noble Jean. J'ai aussi ma richesse à distribuer. Tenez. Tenez. Je t'en veux. Ah bah oui. Attends. 1000 euros. Tenez. C'est du chocolat blanc ou du chocolat noir? Alors, mon GPS, il est bon là maintenant? Vous êtes dans la bonne direction? Ouais, ouais, mais bon, j'ai mal aux pieds. C'est un volant de Peugeot. Ah bon? T'as appuyé trop sur la pédale? Ils m'ont remis des pédales, dis donc, moi j'ai ça du temps. Ah bah, j'ai la Mais qui arrive aussi maintenant sur le périphérique? Ah, il me manque le cousin! Là-bas. Ah bah oui, hein! Alors, c'est même bien. Je suis du désert de quelque part. Bonjour mes amis. Bonjour Gaspard. Tu as une très belle auto, Gaspard. Eh oui, j'ai un GPS aussi. Hein. Ils étaient les villages à cette époque-là. Bon. Ah, les voitures à côté, c'est pas bon. Nous allons aller au Il y en a une qui a perdu sa cour. Oui, ah oui, à la table terre. Je me dis, nous avons là-bas où j'ai la chaise. Je vais aussi à oui. Merci. Quelle est donc cette voiture qui arrive là-bas? La voiture! Mais c'est Marie et Joseph. Ah, ça fait mal. Ils vous comprennent, les cousins. Le mec qui ont le bac
Est-ce que vous avez vu la voiture que j'ai achetée la 504 Pigeon. C'est bon, j'ai gagné pognon. J'ai pris la 504 Pigeon avec l'option cassette. Retour radio cassette. Retour cassette. Mais la cassette, si tu veux écouter la musique, c'est l'option pour toi, Marie. Oh non, mais c'est pas mal, gagne. Je suis représentant des commerces, je fais dans les caleçons boltonnés. Et vous pouvez toucher la qualité. Et tu peux mettre la main dedans. Il va bien. Tu peux mettre la main dedans. Il est très chaud dans l'hiver, il est très fraîche en été. Allez, vas-y. Je rappelle une taille universelle, tout le monde y peut rentrer dedans. Il y a un trou, c'est normal, c'est les aérations. Est-ce que vous en voulez des garçons? Tiens, je vais te faire un billet. Écoutez-moi bien. Dépêche-toi, mon chéri. Elle n'arrête pas. Alors écoutez, je vais vous faire une offre promotionnelle. Je vous les fais aujourd'hui, les 5000 caleçons pour les prix des 10 000. Qui c'est qui aime les caleçons? Personne n'y aime les caleçons? C'est pas grave, je vais les refiler à 6 autres blaireaux là-bas. Là. Y a pas de problème, je vais les refiler à eux. On est reparti. Chérie, j'ai perdu les os. Il a quoi? J'ai perdu les os. Il a quoi? Oh, elle a perdu les os. Je suis
Alors, Jésus, je vais te chercher mon cadeau de la part de Melchior. Melchior, Gaspard et Balthazar ont des cadeaux pour l'enfant Jésus. Le roi Melchior a un magnifique cadeau. Voilà, Jésus. Faire des caleçons moutonnés de motocross. Balthazar a aussi un magnifique cadeau. Mon fils ne veut pas de cadeau. J'ai un beau cadeau, tu seras chanceux. Et moi, je vais faire des combinaisons moutonnées. Quant au roi Gaspard, il a aussi un magnifique cadeau. Je t'offre un magnifique cadeau. Tu seras champion du monde de judo. T'es content? Ouais. Je vais faire des kimonos moutonnés. Oui. C'est pas le kimono, c'est pas le judo. Ça n'arrive rien. Je sais pas ce qui va devenir, ce garçon. Eh ben moi, je sais. Moi, Marie, sa mère, je vois déjà son avenir. Il sera connu, il sera célèbre dans le monde entier. Tout le monde parlera de Jésus. Mais surtout, surtout, parce que ça, c'est super important. Il est pour être un petit bébé, il va grandir. Et quand il sera un homme, ce sera un country farmer. Pascal dans le rôle de Jésus. Sophie dans le rôle de Marie. Alain en Joseph. Chantal et Melchior. Chantal et Balthazar. Et Suzanne et Gaspard. On n'en fait pas une autre, c'est bon, c'est tout. Ça paraît clac clac. Elle était sûre qu'elle a mis au point là.